Et Vittorio Grigolo vont unir leurs voix d'or pour nous interpréter Parigi o cara. C'est un air composé comme le précédent par Verdi, mais pour un autre de ses opéras, la Traviata, créée à la Fenice de Venise en 1853. Pour cet opéra, eh bien, Verdi a choisi une histoire tirée de la pièce d'Alexandre Dumas-fils, La Dame aux Camélias. Vous connaissez tous cette intrigue, les amours de Violetta et d'Alfredo qui finiront malheureusement mal. Et parce que eh bien, la courtisane va mourir dans les bras de son amant. Parigi o cara,
Et ils se sont embrassés, oui, Paris, la ville de l'amour, Paris, Giocara, Sonia Yoncheva et Vittorio Grigolo, dans les rôles respectifs de Violetta et Alfredo. Nous allons maintenant entendre une chanson qui est née en 1945, d'une musique de ballet écrite par Cosma, sur laquelle Prévert a posé un texte pour vous présenter le séduisant duo composé de Sonia Yoncheva et Vittorio Grigolo. Ils reviennent pour nous interpréter un air de la Traviata, lors de la fête, vous savez, d'Alfredo et Violetta qui se rencontrent à Paris. Ils sont accompagnés par le chœur de Radio France. Ils interprètent l'air de Brindisi. mille personnes ici au Champ de Mars qui applaudissent Sonia Yoncheva et Vittorio Grigolo pour et avec les chœurs de Radio France pour Brindisi, l'air de la Traviata. Vous savez, le 14 juillet, eh bien, on chante évidemment la Marseillaise. Alors, le concert de Paris s'est ouvert avec du Berlioz. Eh bien, nous allons nous quitter avec un autre morceau orchestré.